the projects don't just fall off. So sustainability is important. Capacity building and individuals that are doing research need to have training and capacity building. Even the universities themselves, the research offices, directorates, are they doing the right thing according to the good practice of research? And then, of course, you have to use standards, because you cannot talk about a quality assurance without subscribing to the standards. And so this ensures collaboration between and within African universities and research institutions, capacity building using evidence-based benchmarking practices, African leadership supported by global experts, and that is where international collaboration is very important, so that we know what is happening outside the continent. That way we are not left behind. Building on existing structures and expertise, not to reinvent the wheel. And also very important, long-term approach, because we don't want to be given a grant today and then tomorrow, come 2 or 3 years, there's nothing that is going on in that particular institution. So we have to build that capacity. And so for me, I would want to briefly stop there, and also looking at key issues. And I talked about diversity and access, where we have to think about multidisciplinarity of research projects in terms of natural sciences, social sciences, and areas of that kind. Collaboration projects, historically marginalized institutions that do not have access to funding. We need to be able to look into this, and the culture of the community as well. Character and integrity is very important. Corruption is a big problem in our continent, and we have to safeguard some of these things so that we can be able to have SDI priorities, infrastructure support, and a good research ecosystem. Thank you, and I will briefly stop there. Thank you, Chair. Thank you very much, Professor Ketin, for highlighting all those important policy matters. And I believe you will stay around until we have questions from our respectable audience. My next speaker will be Professor Betra. He will be sharing with us his experience from CAMES about digitalization. Vous allez parler en français, je présume. Professeur Bertrand. Merci. Oui. Merci beaucoup. Merci. I believe we do have Monsieur interpretation. Le modérateur. Oui. Yes, we do. Oui, nous avons deux professeurs Mbachi. Deux professeurs Bertrand. Oui, je suis là. Bon, allez-y, allez-y. Bien, merci beaucoup. Je suis donc le professeur Bertrand Baptiste, secrétaire général du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur. Je suis le sixième secrétaire général du CAMES. Le CAMES, le Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur, est une institution régionale qui est cinquantenaire. Elle a été créée par les États membres en 1968, et elle se répartit sur plusieurs sous-régions, la région d'Afrique de l'Ouest, la région d'Afrique centrale et Madagascar, l'océan Indien. Elle a pour mission d'harmoniser les politiques d'enseignement supérieur et de recherche dans ces États membres, à travers, bien sûr, les ministères de tutelle et à travers les institutions d'enseignement supérieur et de recherche. Pour ce faire, notre organisme dispose de programmes, hein, et c'est à travers ces programmes-là qu'il y a, on arrive à atteindre nos objectifs. Alors, je voudrais donc vous remercier de m'avoir associé et d'avoir associé notre institution à ces échanges. Nous voulons particulièrement orienter ces échanges dans un partage d'expériences, une expérience qui a commencé en 2012 essentiellement. En effet, le plan stratégique de développement du CAMES 2015-2019, dont les réflexions participatives et inclusives ont démarré à l'échelle de l'espace CAMES en 2012, a pris l'option d'exploiter les potentialités du numérique
pour la gouvernance du secrétariat général du CAMES et des institutions du numérique, pour la gouvernance, pardon, du secrétariat général du CAMES et des institutions d'enseignement supérieur de recherche des États membres, en vue de réduire les différentes contraintes, barrières, difficultés ou facteurs limitants à son action, en vue d'accroître les performances de service, la visibilité et le rayonnement de notre institution pour mieux impacter le développement. Cette gouvernance numérique touche partiellement ou totalement des secteurs aussi variés que la gestion administrative, juridique et financière, la gestion des activités et programmes du CAMES, la communication et les relations publiques, la gestion des réunions ou activités du CAMES. Ainsi est né, dès 2012, un programme transversal de gouvernance numérique dénommé Programme Silhouette du CAMES ou Doublure virtuelle du CAMES. Ce programme vise à encadrer le processus de dématérialisation et d'accès, voire de valoriser des services du CAMES. Il vise à faciliter la constitution des communautés virtuelles de pratique, mais aussi et surtout à donner une impulsion aux pays et aux institutions d'enseignement supérieur et de recherche pour qu'ils adoptent des stratégies de développement du numérique. Ces stratégies doivent contribuer à faire face aux nouvelles exigences de l'enseignement supérieur en termes d'accès, de massification, d'amélioration de la qualité, d'efficacité interne et externe, et donc de cohérence avec les besoins de la société. La problématique de la dématérialisation d'accès et voire de valorisation porte sur les archives et fonds documentaires du CAMES, les dossiers et travaux des enseignants, chercheurs et chercheurs par le biais des différents programmes du CAMES, les dossiers d'évaluation et d'accréditation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, et de leurs offres de formation de recherche ou en lien avec leur gouvernance institutionnelle. Les dossiers en lien avec les promus du CAMES, les dossiers de récipiendaires de décoration du CAMES, les dossiers en lien avec l'administration, les finances et le cadre juridique, les dossiers relatifs à la communication et aux relations publiques. Dans cette dynamique, en cohérence avec François Rabelais, qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », on pourrait, sans risque de se tromper, affirmer que toute innovation technologique doit s'accompagner d'une éthique pour qu'elle ne conduise pas à la déperdition ou à la dépravation des normes ou valeurs établies. En effet, les facilités qu'offre finalement le numérique en termes de solutions alternatives ou de valeurs ajoutées peuvent servir autant pour améliorer la qualité de la gouvernance que pour l'affaiblir ou la compromettre. C'est pourquoi le cadre juridique appelé règlement qui crée le programme Silhouette du CAMES a-t-il prévu le respect de certaines préoccupations liées notamment à la protection des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données. Le non-respect de ces préoccupations du dit règlement juridique du programme Silhouette du CAMES et d'autres types de pratiques déviantes, comme les faits qualifiés de plagiat, de faux et usage de faux, que facilite l'usage numérique, expose
aux sanctions prévues par le code d'éthique et de déontologie du CAMES. Une commission d'éthique et de déontologie a été créée par le CAMES pour veiller à l'application du dit code. En termes d'organisation et de fonctionnement, la commission d'éthique et de déontologie est composée de 5 membres choisis parmi les personnalités notamment connues pour leur indépendance, leur intégrité et leur connaissance des questions éthiques. Les membres de la commission sont nommés par le comité consultatif général sur proposition du secrétaire général du CAMES pour une durée de 4 ans non renouvelable. La commission est présidée par le secrétaire général du CAMES, membre de droit. Toutefois, pour les délibérations portant sur les affaires relatives à un membre du personnel du CAMES, elle est présidée par le membre le plus âgé. La commission délibère valablement lorsqu'au moins 4 membres sont présents. Ces décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. En matière de mission, cette commission veille au respect des règles générales d'éthique et de déontologie s'appliquant au personnel du secrétaire général, aux membres de tous les programmes actuels du CAMES, aux candidats et aux autorités académiques ou scientifiques qui collaborent à titre occasionnel avec le CAMES et en proposent éventuellement des modifications. Cette commission est compétente notamment pour examiner, je l'ai déjà dit tout à l'heure, tous les cas de plagiat ou de falsification de documents au niveau des comités consultatifs interafricains, donc un des programmes du CAMES, un autre programme du CAMES, au niveau des concours d'agrégation ou un autre programme du CAMES, au niveau des programmes thématiques de recherche ou programmes reconnaissance et équivalence de diplômes ou ordre international des palmes académiques du CAMES ou les revues scientifiques du CAMES. Cette commission veille aussi à écarter tout conflit d'intérêts au niveau des acteurs dans leur participation aux activités et aux programmes du CAMES. Cette commission statue sur les affaires relatives aux atteintes aux principes et valeurs définies par le Code. Elle assure la vulgarisation du présent Code. Elle propose à la décision du Conseil des ministres du CAMES l'application des sanctions prévues après une démarche disciplinaire réglementaire au cours de laquelle la personne mise en cause est invitée à produire un mémoire en défense et peut se faire assister par un conseil de son choix. En termes de bilan, ce saut dans la modernité à travers le programme Silhouette du CAMES, doublé du code d'éthique et de déontologie du CAMES, a permis en définitive à notre institution régionale d'assurance qualité et d'accréditation de numériser la quasi-totalité de ses programmes statutaires, de digitaliser partiellement ou totalement ses activités avec des effets induits sur l'efficacité, la traçabilité des processus, l'archivage des données, la célérité des procédures, la transparence, le rayonnement, etc. À titre d'illustration, pour se féliciter aussi du choix opéré, alors que la pandémie de la COVID-19 a bloqué, voire réduit au strict minimum le fonctionnement de plusieurs institutions publiques ou privées, national, régional ou international, le CAMES a pu dérouler l'ensemble de ses programmes en 2020 en adoptant des approches bimodales pour l'organisation de ces différentes sessions.
Au plan éthique, le nombre de cas traités par la commission d'éthique et de déontologie reste très insignifiant, soit moins de 0,2% au regard du nombre de candidats annuels ou des services rendus annuellement, toute activité confondue. Toute chose qui est déjà rassurante. Le numérique est finalement, pour conclure, sans conteste, un outil précieux de transformation sociale, d'amélioration de la qualité au quotidien en général et en particulier de gouvernance efficace. Aussi, pour améliorer nos systèmes éducatifs, devrions-nous travailler ensemble à promouvoir cette gouvernance dans les pays et les institutions d'enseignement et de recherche. Cela relève du domaine du réalisable, car le CAMES en a fait la preuve avec des moyens, certes modestes, mais surtout avec une volonté résolue de ses acteurs en première ligne. Le CAMES ne cesse de faire le plaidoyer de la transition numérique des institutions d'enseignement supérieur et de recherche depuis le lancement de ce premier plan stratégique de développement et en appelle à ce propos à une réduction des coûts de connexion pratiqués par les opérateurs nationaux. En conséquence, le CAMES soutient sans réserve la mission du WACREN qui est de contribuer à doter les pays de l'espace CAMES des réseaux dédiés à l'enseignement supérieur et à la recherche. Compte tenu du risque potentiel des mauvais usages des TIC inhérentes à notre nature humaine, j'exhorte aussi l'ensemble des acteurs dans le cadre de la démarche d'intégration des TIC à se doter sans délai des mécanismes d'encadrement juridique et éthique. Le premier secrétaire général du CAMES, professeur Joseph Kizerbo, disait « s'adapter ou périr, s'adapter ou périr ». À sa suite, je dirais humblement que nous n'avons aucune alternative, mais plutôt une exigence, celle de nous arrimer avec conscience au numérique. Je vous remercie. Je vous remercie, professeur, et je suis parfaitement en harmonie avec ce que vous venez de dire. Nous n'avons pas de choix que d'embrasser le numérique. Nous avons raté la révolution industrielle en tant qu'Africains. Nous avons fini par être colonisés. Si nous ratons la révolution numérique, nous allons finir par être dominés pour toujours. Ceci dit, I will be just speaking in English now. Again, thank you, Professor, for speaking very slowly because that has actually assisted the interpreters to really translate things very well. Our next speaker, which I will also ask a request to kindly speak very slowly, is Mr. Abednego Cortoli, who is representing Professor Etienne Ehile. He will be speaking on ethics. Over to you. Good morning, Prof. Good morning, everyone. I'll be sharing the thoughts of Professor Etienne Ehile, who is the Secretary General of the Association of African Universities. The AAU, it's as one of its missions to help expand the reach of education, improve access to higher education on the continent of Africa, not just improve access, but also improve the quality of delivery and content of education on the continent. So I would go ahead and share his thoughts. Since on the when Tuesday he talked about the new normal that COVID-19 has brought onto the world. Now the world has suddenly become digitally dependent. Virtually every transaction has become internet dependent. It has also highlighted the need to be on board the digitalization train. How do stakeholders in education tackle this to effect change in the way of engaging tutors, learners, and researchers,
and to use this to advance the course of development for the continent. It is something we need to consider. But even in considering that, we need to consider ethics because of the moral obligation we have. Looking at the volumes of data and information that is generated from our institutions, we know the explosive growth of ICT and its use in enabling technologies have had major impacts on society. And that serious ethical challenges have also surfaced concerning individuals, institutions, and public companies. Some ethical issues raised by digitalization include software piracy, fair use of ICT equipment within institutions, you have computer crime, you have access rights, invasion of individual and corporate piracy, privacy, intellectual property rights, individual and societal rights, data security, values, preservation, and accountability, and the list can go on and on. We know it's situations where computer networks have been breached, where data, personal ones have been compromised, critical and confidential corporate information or classified commercial secrets or patents have been stolen by employees. Websites have been hacked. Keystroke loggers have been installed and people's pins and passcodes have been stolen and used negatively. While most institutions are aware of these risks, the works of ethics of employees working in different institutions, and in this case, employees for institutions would also include students as well as the workers who are in there. While they are working in different institutions with different fields and their requirements are not the same, there's need for forums like this to come up with some guidelines to help implement ethical policies to protect both institutional and individual privacies. Some institutions have internal computer ethics policies. Some do not even have the capacity or knowledge to practice this to secure their data and protect their systems and institutions. Here he wants to share his observation in just three areas. Fair use of computers at the workplace. Because of the expansion and the taking on of ICT in almost all our daily lives, there's a huge number of people who are now going into the use of ICT in their workplaces and in their studies and in their research. How are the institutions handling things like emails? Are private emails accepted once you are in the university or institutional network? Are you allowed to use private emails to transact business of your institution? What about going in with your personal IT gadgets? Are you allowed to use your personal IT gadgets once you enter the institution, or you are supposed to be using the institutional gadgets? Flash drives, are they accepted? How will you treat them? There are instances where employees are able to access information which ordinarily they should not have access to. There are instances where others have found ways around security procedures and have put their institution into jeopardy. Some of this results in legal suits from the courts. They are also resulting in exposing systems to hackers. But in spite of these dangers, some institutions still fail to appreciate the possibilities of huge penalties and to take preventive measures to curtail such incidences. That is just one. Software piracy. This is very still common and socially acceptable in most African countries. There are cases of pirated or unauthorized software installations by employees, by students, by researchers in their work that they do every day. Ethically, does it sound right? Should it be acceptable? Or is it because we would say Africa is a poor continent, we would continue to support such uses?
IT managers in most institutions are unable to even ascertain what softwares have been installed on their systems or within their networks, in what quantities, by whom, and how they are being used within the institution. Then there is the issue of computer crime. While most institutions have the objective of digitalizing the operation, they have not looked at the ethical consideration to look at what is required in the area of computer crime. Some academic institutions have become victims of attacks in data security breaches. Mostly, it turns out that there is no designated person to oversee this critical area in the IT department. Nobody is specifically asked or tasked to oversee ethical issues within the IT department. And an interesting revelation also shows that the weakest link in the data security breaches are the employees or users within the institutions, especially the disloyal ones, those who are disgruntled, or former employees. Ethics require that policies are there to enhance protection for both institutions and its stakeholders. Then, with ICT and management. As we grapple with digital transformation, we must also make clear the hard to predict implications that ICT would have on our institutions and our operations. As institutional managers, ICT directors, or ICT service providers, we must critically examine all ethical issues that could potentially expose us to harm or bring our institutions down. I just spoke about three areas, but there are more areas that need to be examined. Access rights, use of or otherwise trade secrets, liabilities, informed consent, etc., etc. Investing in computer ethics practice is often considered a waste of money because most institutions are unwilling to invest in solutions that ensure high safety and application of codes and ethics. What is important for most of them is immediate profit or availability for use to their convenience. But when weighed against the cost of not having ethics in the way our digitalization process goes, it makes more sense to focus also on the ethics because of its moral rights or moral standing and to help it and to use it to guide our institutions from getting pulled down with penalties or legal suits in the courts. I hope at the end of this AGM, we would have some more discussions on how to guide our institutions, clients, and others on ethics and how it is important for them to bring ethical considerations when planning and rolling out their digitalization processes. Then there's also need for information assurance for our users, looking at the volume of information that is being produced daily. This would mean that we take steps to ensure that from the creation, from the point of generation to the point of processing, storage, and making accessible to other people, we take steps to make sure our information systems are built on the key principles to ensure that there is accessibility, that there is integrity, that there is authenticity, and that there is confidentiality. And at the end of the day, whatever is transmitted from the source to the destination remains unadulterated. It remains the same, and it is available for our researchers to use. There are situations where institutions have tried to set up open access or open science platforms or open science structures, but they have been challenged because of not knowing what to do. So again, I request that at the end of such forums, there is the need for us to come up with policy guidelines, and the AAU would use that as part of its advocacy drive to help other institutions on the continent to know what to do when it comes to data information or the ethics in digitalization. Finally, I also expect
that at the end of the day, the broad goals of digital governance are discussed. This would help provide better service delivery to our stakeholders, to our institutional stakeholders, that is the researchers, the lecturers, the students, and to those who require that we give them data from our research to help guide the policies they want to implement. This will ensure transparency, it will ensure accountability, it will empower people through information. It will improve the efficiency of our governance within the continent, enhance our interoperational engagements, and help our businesses and industries to grow, so that at the end of the day, the digitalization that we are looking at would bring some form of improvement onto the continent. Thank you very much all for your patience and attendance. Thank you very much. Thank you. That was very useful. And that concludes the remarks and interventions and contributions from our panelists. I have seen in the Q&A two questions. One of the questions is more related to the Wakran, and I will see if you allow me to give the floor to Bakar to answer to that question. The question said, what role does Wakran play in the governance and ethics of the National Regional Education Research, RENS? Bakar, are you there? Yes, I'm please. Here, Mokhtar. Yes, please. Could you answer to that question, please? Yes, sure. Well, generally, the principle of WACREN is not to interfere with internal governance of our members. However, we share with them our values, WACREN values, which are collaboration and knowledge sharing, community and user focused, transparency and accountability, and equity and fairness. So we share these values with our members. So, and we, of course, all of this has been put in place in collaboration with them, because we did not sit in a corner and agreed on these values for WACREN. So it was community driven. It was with them, it was with our members. So it is something that is very important to us. But internal interference, we don't do that in terms of governance at country level. We also have, I think, talks of the panelists were very, very interesting. And they all also touched about, ethics. And I do think that if you go, for instance, into our documents that we share with our members, etc., we have what we called acceptable use policy. So we provide service to our members, connectivity and added value services. But by doing that, we also say what is acceptable, to do with the services we are providing to our members. So I think some of the panelists touched on hacking, touched on, privacy, touched on, things we don't know about today in the internet. So when we sign agreements with our members, part of the agreement or the contract we sign with our members before providing the services is that it is included in this agreement a section that is called acceptable use policy. So just to say what we are doing about it, and in this acceptable use policy, we touch on all the things, on the threats, and misuse, of
the infrastructure that we put there. Thank you. Thank you very much. This is a very, very well elaborated answer. The next question will be in French, and it is addressed to certainly, I believe, Professor Bertrand Bachy. La question dit exactement, avec aujourd'hui l'évolution du numérique dans le monde, est-ce que ce n'est pas possible qu'en Afrique, que les universités commencent par faire des études en ligne comme dans les pays occidentaux? Je pense que le professeur avait déjà touché ça, mais je lui donne la parole pour voir élaborer sur la question. Professeur, à vous. Mais, vous voulez que je réponde, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Professeur, oui, Mathieu, allez-y, à cette question. Okay. Oui, merci beaucoup. Je pense que, comme je le disais dans mon intervention, dès 2012, dès que nous sommes arrivés au CAMES, nous avons lancé le plaidoyer au niveau des pays membres. Mais quand on dit pays membres, ce sont ceux qui nous fréquentent le plus. Maintenant, dans un système globalisé que nous connaissons, il n'y a plus de frontières. Donc, en fait, nous avons plaider pour qu'il y ait une utilisation en ligne, une potentialisation du numérique pédagogique. Donc, le contexte du COVID vient encore nous donner raison, hein, parce que n'ont pu s'adapter que les universités, les institutions d'enseignement supérieur et de recherche qui avaient déjà commencé à disposer d'un embryon d'utilisation du numérique. Bien évidemment que c'est le moment de se réveiller et se dire que grâce à cet instrument, on peut vaincre les barrières, les contraintes de massification, les contraintes liées à la distance, les contraintes liées au déplacement, etc., etc. Bien sûr que tout ceci doit se faire selon doit être codifié. Et le CAMES a déjà mis en place avant les conditions d'évaluation, un référentiel d'évaluation des formations en ligne. Donc, ça ne se fait pas n'importe comment. Hein. Nous pouvons donc accompagner, d'avoir un référentiel qui permet aux gens de voir comment assurer une formation en ligne avec beaucoup d'efficacité. Et récemment, avec le COVID, nous avons développé un référentiel qui permet une évaluation en bimodale, hein, de formation en bimodale, c'est-à-dire des formations qui font à la fois du présentiel et du distanciel. Donc vraiment, c'est une question pertinente pour dire qu'il n'est jamais trop tard de prendre la machine en route parce que nous avons les instruments pour une formation de qualité. Hein, grâce à nos référentiels, vous pouvez vous assurer que vos diplômes que vous allez délivrer à la fin seront les diplômes qui pourront être reconnus. Merci beaucoup, professeur. Je vais ajouter tout simplement sur cette question qu'il y a aussi un certain nombre de facteurs qui favoriseraient bien l'éducation par distance, la formation en ligne, ce qu'on appelle le e-learning. C'est d'abord une question d'infrastructure très importante, non seulement au niveau de l'université ou de l'entité qui fait de l'enseignement, mais aussi au niveau même de l'étudiant ou de l'apprenant, qui va je peux me permettre d'utiliser l'expression. Parce que si l'apprenant n'a pas la connectivité, ni l'électricité, ni l'énergie, cette question d'éducation à distance ne pourrait pas se passer. C'est-à-dire qu'il y a un effort qui devrait être fait de toutes les parties pour créer ce qu'on appelle un environnement favorable, que ce soit infrastructurel ou que ce soit un environnement, surtout en matière d'adresser ce qu'on appelle les challenges de e-learning qui sont relatifs à la socialisation et surtout et au trichage, à la tricherie d'une façon générale, si je me permets. Parce que pour éviter exactement cette question de tricher, il faudra que les gens puissent avoir une capacité assez importante puisqu'ils puissent présenter des examens en ligne de façon tout à fait continue, sans interruption et par conséquent assurer une qualité. Voilà, je n'ai pas encore, I don't see any other questions coming from the floor. And given the time we have left, I will allow me just to wrap up a little. First of all, by thanking all our panelists for their valuable contributions. They have addressed all the issues related to ethics and governance and contents.
and specifically emphasize on the fact that it is important for us also today to make sure that we are benefiting from the digital era as Africans, as institutions in charge of education. I will just say something very important here by saying digitalization and digital transformation, whether we call for it deeply or not, it will come to us. And we have no choice really but embracing the technology. That rigidity in our education system need to be break down. We used to have a teacher giving information and hence creating knowledge that way. Today, the computer and avatar are capable of providing that. But that doesn't mean that we as Africans or as teachers should not embrace the technology. We rather have to ride on the, if they may say, the shoulder of those technology by benefiting from the new ecosystem, man, machine, in order to make sure that we are providing the right technology and the right tool and to create the new talent that are more appropriate for the digital economy. And I reiterate again my saying by, if we miss this industrial revolution, the first industrial revolution or the digitalization or digital transformation or digital economy, will be ending up dominated forever. There will be no room for us to grow. So it's very important for us to embrace technology. With that, I will again reiterate that in order to use those technology, you need safety, you need security. And in my new capacity as the Africa Program Director for the Global Forum for Cybersecurity Expertise, my role again is to build capacity on the matter of cybersecurity. And I would be glad to have academia, civil society, government, and all of you participating on this, because we will be doing that capacity building through you as an institution, through you as a regional organization, and through you as individuals and African stakeholders. With that, I will thank you. Thank you very much. And thank you. I feel really humbled by this opportunity given to me. Over to you. Afai. Thank you very much, Mr. Mokhtar Yenali, for steering the session for us. And thank you very much, our eminent panelists, for such an insightful conversation. So the brief closing ceremony begins in a jiffy. C'est fini. Moi, je crois que faut peut-être. Je ne sais pas s'il faut que je fasse le closing de. All right, so we sincerely apologize for the lack of audio. We want to move straight ahead into the opening ceremony for the whole week of such a great conference. And I'm happy to invite the Chief Executive Officer of WACREN, Dr. Boubacar Barry, to give us his closing remarks. Yes, good morning. I don't know if Efa, the sound is, audio is good. Yes, I can hear you clearly, sir. Video? No, so please you can begin. No video, I think my video has been disabled, so if... Okay, your video is on. Your video is on, we see you and we hear you. Yeah. Okay, thank you. Good. Thank you for confirming. I will be speaking in French. We are in Benin. Also, we are virtually in Benin. And it's my pleasure, to
to say hello to everybody. Professor Nina Kokaino, président du conseil d'administration de WACREN, Monsieur Serge Adjovi, directeur général de l'Agence pour le développement du numérique, messieurs les membres du conseil d'administration de WACREN, chers membres et partenaires de WACREN, chers participants, nous voici donc à la fin d'une semaine d'intenses activités, ponctuée par des présentations, des tables rondes, des séminaires et des réunions. Nous avons eu 392 participants enregistrés de 55 pays. Nous avons eu 3 ateliers, 9 sessions avec 10 modérateurs, 40 panélistes et au total 53 orateurs. C'est le moment pour moi de remercier très sincèrement notre hôte, notamment le gouvernement de la République du Bénin, et plus particulièrement le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère du Numérique et de la Digitalisation et l'Agence pour le développement du numérique. Les équipes de l'Agence pour le développement du numérique et de WACREN ont travaillé d'arrache-pied depuis plusieurs mois pour la réussite de cet événement. Une mention spéciale à Mme Christelle Agosu et Mme Christelle Gnidehu, toutes les deux de l'ADN, ainsi qu'à M. Omo Owaya, directeur de la stratégie et coordonnateur général de WACREN 2021, ainsi qu'à M. Efa Amponsa, responsable de la communication et du marketing de WACREN. Un grand merci également au comité scientifique, notre programme comité, composé d'éminents experts d'institutions partenaires de divers horizons à travers le monde. Ils nous ont aidés à évaluer les propositions de contribution et à sélectionner des contributions de haute facture. Merci donc également à tous ceux qui ont contribué à animer cette conférence. Les auteurs de papier, ceux qui ont présenté des posters, les panélistes, ainsi que les modérateurs. Un grand merci à tous les participants, sans qui la conférence n'aurait pas de sens. Nous avons eu une session très encourageante de la journée de la jeunesse WACREN, avec 50 participants qui nous ont rassurés que la relève est là, prête et engagée. Nous avons également eu une soirée de gala virtuelle hier, en fin d'après-midi. Naturellement, nous aurions préféré nous rencontrer physiquement et profiter de l'hospitalité de nos hôtes du Bénin. Mais nous avons tout de même pu nous retrouver, échanger et nous faire de nouveaux amis. Merci à Menwan, notre sponsor or, ainsi qu'à nos autres sponsors, Exxon, Coco et Flex Optics. Merci également à notre partenaire média, University World News. Enfin, merci infiniment aux interprètes, M. Sambagnon et Cheikh Diop, ainsi qu'à leur équipe technique. Ils nous ont accompagnés avec brio tout au long de la conférence. Il est de coutume d'annoncer l'hôte de la prochaine conférence annuelle de WACREN. Mais vous comprendrez que, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous ne sommes pas en mesure de le faire cette fois-ci. Mais WACREN 2022 se tiendra à coup sûr mi-mars 2022 et nous espérons que ça sera en présentiel et pas entièrement en virtuel. En attendant, restons en contact et nous pensons que d'ici là,
Nous aurons de très bonnes nouvelles à vous annoncer. Et c'est grâce au soutien de l'Union européenne à travers Africa Connect 3 et grâce à celui de nos partenaires avec qui nous mettons en œuvre ce projet, notamment Ubuntu Net Alliance, ASREN et GER. Merci pour votre aimable attention. Portez-vous bien et à bientôt. Thank you very much, Dr. Barry. We'll now hear from the host of the conference from Benin, and Mr. Serge Ajovi is the Director General of ADN Benin. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord excuser Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, Madame Éléonore Yahi, et la ministre du numérique et de la digitalisation, Madame Aurélie Adams-Soulé-Zoumarou, pour ne pas être dans cette session de clôture de la conférence. Je voudrais remercier chaleureusement d'abord l'organisation WACREN pour le travail qui a été fait, pour les efforts qui ont été mis dans dans le succès de cette conférence. Les NREN que WACREN représente et les partenaires, naturellement, les sponsors, bien sûr, sans qui ça n'aurait pas été possible. Je suis fier de la présentation ou de la participation, pardon, de cet événement. C'était une première pour WACREN d'avoir cette conférence tout en ligne. Et ce que je vois, c'est que finalement, une participation en ligne reste quand même attractive. J'ai assisté personnellement à un certain nombre de sessions que j'ai trouvées d'un excellent niveau en termes de qualité des présentations, de qualité des échanges. Et c'est vraiment cette participation et cette qualité qui me rend fier. Il y a donc des leçons certainement à tirer. Je pense qu'avec WACREN, nous les tirons, mais WACREN les tirera, en fait, surtout, pour les prochains événements. Ce qui me paraît important, et je crois que le docteur Barry l'a dit, c'est que nous arrivions quand même à nous rencontrer. Ça aussi, c'est important, et je souhaite ardemment que la prochaine conférence nous permette de nous rencontrer en présentiel physiquement. Mais je crois que l'expérience que nous avons eue cette fois-ci est aussi intéressante et que je pense, hein, sans vouloir être prophète, je pense que les prochaines conférences seront nécessairement hybrides, une partie en présentiel et une partie en virtuel. Je crois que la partie virtuelle permet de toucher certaines personnes qu'on ne pourrait toucher si on était uniquement en présentiel. Ceci dit, nous allons, après la clôture de cette conférence, comme je disais, tirer les leçons, nous allons envisager l'avenir. Pour nous, c'est un avenir qui est riche, qui est important au niveau de ce que WACREN peut apporter au Bénin dans le cadre de la digitalisation des universités, mais en fait, c'est exactement ça, avec des modes de consommation à la fois des contenus, des cours, mais aussi des interactions qui est complètement différent et qui évolue un peu sous la pression de la pandémie, mais finalement, pourquoi pas. Je voudrais clôturer en vous réitérant nos souhaits de bienvenue au Bénin. Le Bénin reste, malgré les situations, ouvertes. Nous aurions voulu vous recevoir physiquement, ce n'est pas le cas. Ce sera une prochaine fois, certainement. Et je voudrais vous remercier et vous demander surtout de rester en bonne santé. Merci. Thank you to Mr. Serge Ajovi for hosting us online. We'll now hear from the board chair of WACREN, Professor Ni Nakukweno, for the final closing remark. Thank you very much. Ladies and gentlemen, on behalf of the Board of Directors of WACREN, I'd like to thank you for a successful 2021 WACREN conference held online.
As a regional REN, we have remained true to our cause and at the forefront and advocating the benefits of networks. We have lived up to our vision and very pleased that we have led the way by example and held our 2021 meeting online. Eh bien, vous l'avez fait et réussi, même si c'était virtuel. Nos sincères remerciements à la République du Bénin, à la ADN et à son directeur général, M. Adjovi, pour l'organisation de la conférence WACREN 2021. I'd like to thank ADN for the good effort in hosting our event, and I have no doubt that your NREN, would achieve many good things for the people of the Republic of Benin. You are being practical and addressing real problems that inevitably leads to success. Ladies and gentlemen, it is my hope that this conference has been a launchpad for you and triggered value-leading partnerships and collaborations so we make the world a better networked place for us to live. I wish everyone a successful virtual trip, at least of your attention units back home. Thank you very much. Thank you to Prof. Nina Kukwenu. So it's a wrap. Thank you very much for joining us for WACREN 2021. And we hope to meet you in WACREN 2022. But just before that, we just want to let you know that very soon our website, the WACREN new website, will be up, and also a newsletter called Engage will be up, and you'll have a lot of news that have not been shared yet about the conference in those two communication tools. Thank you very much for joining us for WACREN 2021. See you again in WACREN 2022. For more than 10 years now, WACREN has supported the advancement of research and education in West and Central Africa. We serve our community with three key areas: connectivity, advanced digital services, and developing human capital. Through affordable high-speed connectivity, researchers, staff, and students can collaborate with their colleagues within the region and beyond. Our video conferencing tool has come in handy in the COVID-19 pandemic period to support academic continuity. The tool is connecting thousands of students with their lecturers and academic supervisors and keeping administrative work going through online meetings. With EduRoam, learning is exciting. Through this authentication service, students can securely connect to available Wi-Fi when they visit other institutions across the world. EduID allows students and researchers to log into and access web-based services anywhere in Africa by using their home institution credentials. No need for re-registration or request for permission. National RENs and their member institutions can access WACREN security and hosting services. Our modern infrastructure and capacity ensure that subscribers get the best of both services at affordable rates with high reliability. Network Operations Center as a Service, NOCAS, is designed for national RENs and R&E organizations looking for constant and effective monitoring and maintenance of their networks. WACREN has publicly scheduled and on-demand capacity building sessions for the brains and hands that handle the national and campus networks in the region. Over the years, users and beneficiaries of our network, services and capacity sessions have created value for their communities and, by extension, the society. WACREN has been able to serve its community thanks to the European Union's support under the Africa Connect Phase projects. The journey of unearthing potentials and creating opportunity for real socioeconomic value continues. Bye-bye, everyone. Bye-bye. See you soon.